Salut tout le monde, c'est Vin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo un petit peu spéciale parce que je vous ai mis une vidéo là un petit peu dans le flow. C'était cette semaine, c'était en début de semaine. C'était une sorte de vlog, j'avais envie de le refaire un peu plus en posé comme je faisais à l'époque sur le livre La Magie. En fait, j'avais envie de reprendre absolument ce bouquin. Alors, je vous dis un secret, mais en fait, je l'ai perdu. Je sais plus où il est. Et je l'ai racheté. Tout simplement parce que ce livre, tout simplement magique, en fait. Et j'avais commencé cette série de vidéos sur la magie de Rhonda Byrne, sur le pouvoir de la gratitude. Je l'avais commencé, je crois que c'était en 2016, et ça partait super bien. Et j'ai arrêté au bout du quatrième jour parce que c'était beaucoup d'investissement et que c'est compliqué entre faire les vidéos, les tourner, les monter et puis les diffuser. Et sur 28 jours, c'était compliqué. Et c'est l'année dernière, donc 2020, j'ai décidé de faire le podcast sur le livre La Magie en faisant un audio par jour. Alors, j'ai essayé de respecter un peu. Et puis, ben, en fait, en podcast uniquement audio, j'ai repris vraiment le livre de La Magie, procédé par procédé. Et j'ai trouvé que c'était super, ça fonctionnait bien. J'ai pas fait en sorte que ça fonctionne bien, mais j'ai juste mis ça parce que j'avais envie de le faire. Et d'ailleurs, c'est toujours disponible, je vous le mets en description. Et là, je me suis dit, j'avais envie de le reprendre, mais plus en vidéo, plus dans le flow, plus vraiment décortiquer ces procédés magiques, plus le faire avec mon mood du moment, parce que ben, j'ai beaucoup, beaucoup de choses en ce moment à mettre, à matérialiser dans ma vie, à créer, à co-créer. J'ai envie d'évoluer grandement spirituellement et qu'on en a surtout besoin, puisqu'on est encore dans cette période de Covid-19. Alors du coup, le secret, qu'est-ce que c'est ? Déjà, Le Secret de Rhonda Byrne, c'est un livre qui a été créé il y a 14 ans et qui a été écrit par Rhonda Byrne, qui est une Australienne, qui a découvert pas mal de procédés sur la loi de l'attraction, le pouvoir de la visualisation, de la gratitude, qui a interviewé beaucoup de contemporains qui utilisent ça, des personnes connues dans le monde du développement personnel, et en a fait un livre. Et suite à ce livre, elle en a fait un documentaire vidéo. Donc un documentaire qui passe aujourd'hui sur Netflix et qui est toujours riche d'inspiration, mais qui est malheureusement beaucoup basé sur le succès, sur l'argent. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment ce côté un peu américain, ce côté trop basé sur t'as juste à te poser dans ton canapé et attendre que ça passe. Alors que c'était pas le cas, en fait. Il fallait aller vraiment beaucoup plus loin que ça, et c'était juste les prémices de quelque chose de grand qui se matérialisait. Et moi, c'est vraiment la chose qui m'a fait décoller dans mon business, dans mon activité, qui m'a fait aimer le développement personnel et qui me fait qu'aujourd'hui, ben, je peux partager des choses comme ça beaucoup plus avec recul, avec détachement, et que je peux vous en parler vraiment comme en connaissance de cause, puisque j'ai appliqué tout ça dans ma vie. Et suite à ça, Rhonda Byrne a édité d'autres livres et a édité notamment celui-ci qui est La Magie. Et aujourd'hui, ce qui est marrant, c'est que j'ai Lilou Massé qui a créé le défi des 100 jours, que j'ai suivi aussi, a fait un direct parce qu'elle avait en main le nouveau livre de Rhonda Byrne qui s'appelle Le plus grand succès, Le plus grand secret, Le chemin vers le bonheur. Et c'est la suite du livre Le Secret, mais plus dans le détail spirituel. Dans quelque chose apparemment qui est extraordinaire, et Lilou Massé a commencé à le lire. Il sort le 5 mai, je vais me le commander, me le précommander, parce que je le veux, ce livre, et je veux pouvoir vous en parler. Et puis voilà, donc en clair, dans ces bouquins-là, vous avez tout, vraiment tout ce qui peut vous expliquer comment attirer des choses dans votre vie. Et moi, j'avais vraiment envie de reprendre ce livre-là au travers de vidéos comme ça, parce que c'est ce qui représente un maximum ma chaîne, c'est ce côté-là de pouvoir vous parler, discuter sur plein de choses. Alors tout d'abord, c'est quoi le livre La Magie? C'est principalement sur la gratitude et sur la reconnaissance. C'est 28 procédés que vous allez mettre en application pendant 28 jours et tout au long de votre vie. Après, vous pourrez les décortiquer un peu, vous pourrez les choisir en fonction de la thématique, et c'est vraiment pour mettre la gratitude dans sa vie. Parce que la gratitude, je l'ai mis dans la vidéo précédente, c'est l'art d'être reconnaissant de ce que l'on a ou de ce que l'on voudrait avoir ou ce que l'on a déjà dans notre vie, que ce soit sur beaucoup de piliers, la santé, le développement personnel, les relations, sur le travail, sur l'argent. Appliquer la gratitude dans tous ces secteurs de notre vie pour en avoir davantage, parce que la loi d'attraction, c'est qui se ressemble, s'assemble.
et à la manière du métal qui est attiré par l'aimant, bah, la gratitude, ça permet d'attirer les choses similaires à ça, en fait. Quand vous avez prouvé de la gratitude pour l'argent que vous avez aujourd'hui, bah, vous attirez davantage, tel un aimant, bah, de l'argent en abondance. Alors après, ça part un peu dans tous les sens, mais c'est un peu le concept. Et j'avais envie vraiment de démystifier tout ça avec vous par le biais de ce livre, parce que je l'ai repris. Je suis en train de le remettre en application et j'ai envie que vous partagiez avec moi cette aventure de 28 jours, de même 30 jours. On va lancer ce défi 30 jours de gratitude, donc peu importe que vous le réussissiez ou pas, j'ai envie qu'en fait on fasse un défi sur 30 jours et qu'on éprouve au moins de la gratitude dans notre vie et qu'on pratique ces procédés-là. Alors si vous êtes OK, vous mettez un petit pouce bleu ou vous mettez un petit oui en commentaire, on te suit Vince, même si vous regardez ce replay, je sais pas, une semaine après, un mois après, un an après, deux ans après, partagez ce défi avec moi, cette aventure. J'ai envie qu'on crée quelque chose, qu'on co-crée que du bonheur, des belles choses. Il y aura des moments de malheur, mais ça fera partie du jeu. Et puis voilà. Donc, moi, j'ai déjà commencé à créer ce qu'on nous demande dans le livre. C'est notre vision à l'instant T. Et j'ai même envie d'aller encore plus loin. J'ai envie de mixer ça avec la roue de la vie. En clair, vous avez les 6 secteurs de votre vie. Je crois que je l'avais dit dans ma vidéo précédente. Les 6 secteurs de votre vie, c'est santé et corps, relations, argent, bien matériel, c'est quoi le désir personnel, et le 6e, carrière et travail, je crois. Voilà. Donc, ces 6 secteurs-là, vous allez les prendre un par un. Vous allez prendre une feuille à carreaux ou peu importe. Vous allez mettre santé et corps, carrière et travail, argent, désir personnel, relations, bien matériel, et vous allez énumérer la liste des choses que vous aimeriez recevoir dans votre vie. Ça peut être des choses farfelues comme des choses dans l'instant T. Ça peut être un café avec un ami, ça peut être une relation qui s'améliore, ça peut être n'importe quoi. Vous marquez tout ce que vous voulez, et je vous invite même à marquer la date à laquelle vous avez mis cette intention-là, et ensuite à remplir au fur et à mesure de votre parcours dans cette aventure-là, bah, des choses qui vous viennent en tête, de peut-être que des choses que vous n'avez pas pensé à ce moment-là et que vous aimeriez recevoir là tout de suite. Et moi, j'ai fait cette liste. Et cette liste-là, elle est exceptionnelle parce qu'elle vous permet de voir déjà, de poser votre vision. Et c'est dans toute technique de développement personnel, loi d'attraction, défi des 100 jours, matérialiser ses intentions, on vous dit de clarifier votre vision. Donc, clarifiez votre vision en mettant une intention, en mettant quelque chose qui soit en lien avec votre désir profond actuel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est on va commencer donc cette journée-là par, dès que demain matin, vous allez vous lever, vous allez écrire 10 bienfaits dont vous jouissez dans la vie. Donc, c'est le jour 1, apprécier votre bonne fortune. C'est important, en fait, et je l'expliquais encore dans la vidéo d'hier, enfin, de la précédente vidéo, d'apprécier ce qu'on a déjà dans la vie pour en avoir davantage. Parce qu'on a souvent tendance à être un peu éternel insatisfait en se disant « Mais regarde, moi, j'ai pas ça, regarde, j'ai des problèmes de dos, regarde, ma bagnole, elle tombe en panne, regarde, ma femme est en train de me quitter, ou ça se passe mal dans mon couple. » Oui, mais t'as quoi, en fait, dans ta vie aujourd'hui dont tu peux être fier? Oh, putain, mes enfants. Oh, putain, mais si, mais ça, mais voilà. Ben, note ça, en fait. Note 10 choses pour lesquelles t'es reconnaissant. Note, si t'as deux bras, note tes deux bras qui te servent à être épanoui dans ta vie, à travailler, note ta respiration. Il y a des personnes qui ont chopé le Covid qui n'ont pas ça. Et même s'ils ont chopé le Covid, ils ont peut-être d'autres choses. On essaye de toujours voir le bon côté des choses. Je veux pas qu'on se mette des œillères en disant « Non, je veux pas voir le négatif. » Non, on se concentre là actuellement sur des choses pour lesquelles on peut éprouver de la gratitude parce que c'est extrêmement important. Donc, vous notez « Je suis reconnaissant pour ta-ta-ta parce que… » Donc, le « Pourquoi ?» Vous êtes reconnaissant pourquoi? Et voilà. Et vous faites ça 10 fois. Et à chaque fois, vous vous concentrez sur la phrase que vous avez écrite en disant, en remerciant profondément dans votre tête, hein, en disant les mots merci, 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 3 fois, en étant vraiment en ressentant de la gratitude. Et ça, vous allez le faire pendant les 28 jours qui vont pendant les 28 jours qui vont suivre, très clairement. Voilà, donc en fait, j'ai envie de vraiment reprendre ça. Donc moi, je l'ai fait ce matin et je vais le faire demain matin. Procédé numéro 2, je vous en parle demain dans la vidéo. Je vais faire en sorte de faire des vidéos
qui se suivent. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Parce que sinon, vous allez me dire, oui, la vidéo de demain, elle n'y est pas. Voilà, je vais faire en sorte de finir ce putain de défi des 28 jours. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous à tous et toutes. Et puis, ben, suivez-moi dans ce défi de dingue. Parce que vous en ressortirez tellement gagnant. Procurez-le-vous, achetez ce livre. Si j'ai vraiment qu'un truc à vous conseiller, c'est acheter ce bouquin. Et puis voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait pour suivre les prochaines vidéos et aventures. Petit like, un petit commentaire, vous me dites ce que vous en pensez. Et puis voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo. C'était Vin, je vous fais de gros bisous. Ciao!